Salut le Président, nos invités et toutes les personnalités qui nous ont rejoints pour la remise de ces podiums. Alors on va commencer tout de suite par, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la cérémonie protocolaire pour la catégorie arc nu, jeune fille et jeune homme. Pour les jeunes filles, la remise des récompenses sera effectuée par le président de la Fédération française de tir à l'arc, Jean-Michel Clairoy, en compagnie du président du col, Philippe Mangin, pour les filles et pour les garçons. Je demanderai à monsieur le maire de Vittel, Franck Perry, en compagnie de Jean-Pierre Fenard, président de la Flèche Thermale, de vouloir bien sûr se mettre à disposition de ce podium. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir le podium garçons et filles qui vont nous rejoindre. Ils vont se mettre en position juste derrière. Et on va commencer par le podium arc nu jeune fille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, médaille de bronze représentant le club des archers murois. Je vous demande d'applaudir Camille Pringer. Médaille d'argent représentant la section A de tir à l'arc, Amélie Guillotte. Et médaille d'or et championne de France représentant les archers de Vaugon, Clémentine Chenier. Jean-Michel Clairoy et Philippe Mangin, pardon, pour la remise des récompenses pour le podium filles. Voilà, je vais vous demander bien sûr à chaque fois que l'athlète reçoit sa médaille de lui réserver vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà la deuxième place, la médaille d'argent. Et bien sûr, championne de France et médaille d'or, Clémentine Chenier. Nous allons passer maintenant, merci Président, nous allons passer à la récompense, bien sûr, de cette cérémonie de la catégorie arc nu pour les jeunes hommes. Remise effectuée par monsieur le maire de Vittel, Franck Perry, en compagnie du président de la Flèche Thermale, Jean-Pierre Fenard. Médaille de bronze représentant les archers de Bolène, Loïc Aymard.